cette vidéo. Et pour nous les filles. Pourquoi? Bah parce que ça fera plaisir aux garçons, mais c'est les filles qui vont les réaliser. Mon idéal est simple, j'ai une nuisette. Alors vous savez qu'on travaille toujours qu'avec du recyclage. Ma nuisette, qui est vraiment très basique, hein, c'est juste un truc pour dormir. Mais je vais la rendre un petit peu plus sexy pour la Saint-Valentin, bien sûr, ou pour une soirée amoureuse, un petit peu love, love, love. Alors, on regarde toujours comment sont configurés nos vêtements. Et mon idée, elle est simple. Alors, vous savez que je fais toujours des petits schémas. L'idée, elle est de fendre et de donner un très joli décolleté sexy à cette nuisette qui ne l'est pas vraiment, faut avouer. Mais bon, c'est pour dormir à la base. Hein. On va la couper un peu en biais. Devant et dans le dos, tout simplement. Et on terminera avec une fente, mais qui va pas être au milieu, parce qu'au milieu, ce serait vulgaire. Il faut la mettre vraiment au niveau de la jambe. C'est-à-dire que tu vas mesurer un petit peu, tu vas l'essayer, et tu vas voir où ça tombe au niveau de ta jambe. Tu te mesures. Comment on prend sa mesure? C'est très simple. De l'os que tu as sous le cou à mi-sein, qu'on voit la naissance des seins, mais pas toute la poitrine non plus, hein, faut pas exagérer. D'accord? Donc en moyenne, c'est 20 cm. Ensuite, tu reportes tout simplement tes 20 cm. Une fois que je l'ai mis sur l'envers, je prends une petite règle, je vais tracer de là avec ma crête ailleurs. Et je coupe. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre le bas et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut le faire sur le côté, la fente, et pas trop haute non plus. Donc en moyenne, ça va nous donner 15 cm. Et tu te mets à peu près aussi à 15. 15-15, retiens-le. Et bien sûr, on ne coupe pas les deux morceaux, hein, que devant. Et là, je vais me mettre à 15. On tire après notre matière. Et on regarde ce que ça donne. Voilà. Alors, j'ai trouvé du ruban rouge. Et on peut très bien le s'enrubaner ensuite pour donner un effet plus chic. On va regarder ce que ça donne là-bas. Avant, après, il n'y a pas photo. Je trouve que c'est assez réussi. J'y mettrai bien ici un petit point. Et un petit point de l'autre côté pour tenir le ruban. La fente, elle se voit à peine. Mais quand on marche ou qu'on a des mouvements, elle se verra. Et voici une nuisette transformée by Anidée pour être sexy, mais pas trop, pour Saint-Valentin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle idée tendance.